Dans le nouveau format nous rajouter sur channel là, c'est parler de personnalités mondiales, régionales, locales et pays tout. C'est ça que fait dans la vidéo jeudi à nous porter pour eux une partie sur une autre personnalité mondiale qui est très puissant, qui c'est Donald John Trump, qui nous tous connaissons son nom Donald Trump. Histoire de Donald Trump commençait le 14 juin 1946 à Queens, dans un quartier dans New York. Il est baptisé dans l'église presbytérienne dans le même quartier ça. Papa Rele Fred Trump, qui a origine allemande, cause Papa Fred, c'est un Allemand. Fred, c'est un promoteur immobilier à succès. Maman Donald Trump, Rele Marie Anne McLeod, qui c'est une Écossaise qui était débarqué aux États-Unis à l'âge de 18 ans comme immigré économique. Maintenant, Donald, c'est le quatrième petit dans une famille qui a 5 petites là-dedans, qui mène une vie privilégiée. Papa Trump, bâti Fortini, a multiplié, construit des centaines d'appartements pour louer. Dans Brooklyn, dans quartier Queens, et dans l'autre ville, toujours dans les États-Unis. Avec ça, il met toute famille en sécurité et il vient multimillionnaire dans ça, même s'il te gagne en jeune, papa, il te quitte richesse pour lui. La famille Trump, c'est une famille qui gagne un pile d'argent qui est assez riche. Donald grandit comme un petit prince, l'elle tape grandit, il est levé dans un appartement assez grand qui gagne là-dedans 23 pièces, c'est déjà une belle vie. Donald, c'est un garçon qui est très bilan, très désordre et indiscipliné. Nous avons remarqué ça tout dans le comportement, dans la façon d'agir. À l'âge de 13 ans, Donald était déjà entré dans un pensionnement dans l'académie militaire dans New York. Ça a été marché en garder tête jeune Donald dans l'époque là. 5 années après, il a terminé le lycée, il est entré dans l'université de Fordham à New York pour 2 ans. Après, il a réussi à entrer dans l'université Pennsylvania à Philadelphie. Là, il est diplômé dans sciences économiques. Camarade Donald Yo, tu as imaginé pendant Trump dans l'université là, quel pata trop besoin ça? Les yo connaît déjà à vivre dans une famille très riche et le coût papal dans business la pas prendre dans un chemin qui tout tracé. Et déjà papal Fred te compte encourager ça pour le rentrer dans business non. Eh bien entendez, tout pendant l'université il t'a travaillé dans entreprise papal là qui te relait Elizabeth Trump Hanson qui spécialisait dans location maison. Toujours pendant l'étudiant, il collaborait avec papal pour ouvrir un complexe appartement dans Cincinnati, qui est une ville qui se situe dans le sud-ouest, dans l'État Ohio et dans les États-Unis. J'ai regardé là, côté où construit un pile appartement pour louer, j'ai appelé sous image. Dans le commencement de l'année 1970, Trump vient président entreprise familiale là, et pourtant papa est président conseil administration. Laisse ensuite, dans l'année 1971, il peut rebaptiser société à The Trump Organization. Dans l'année 1973, la famille Trump visée par une enquête du département de justice américaine qui fait croire qu'elle gagne un comportement de discrimination pour noirs qui a cherché caille, ça veut dire la famille Trump pas trop voulu louer caille by noyau. Ça qui pourrait le faire, entreprise Trump plan pourrait finalement signer un accord quand elle accepte héberger locataire présenté dans National Urban League là. National Urban League là, ou qui gagne signe pour nul, c'est qui ça? C'est une organisation qui est basée dans l'État New York là, qui militait pour faire appliquer droit constitutionnel afro-américain qui garantit dans la constitution américaine qui condamnait toute forme de discrimination. C'est bon? Dans la fin de l'année 70, Donald Trump lançait le net dans la carrière pour monter immobilier indépendant à seulement 24 ans. L'ESA, il concentrait dans le marché Manhattan. C'est ça qui fait, pendant la campagne présidentielle, il était déclaré. L'œuvre de commencer, c'est un petit prêt, $1 million, il était fait dans mes papas pour le rembourser avec intérêt. Au cas imaginer, période ça, $1 million qui valait, ça t'est gagné. Au cas dit, c'est un coup, c'est 10 millions pour journée aujourd'hui. Au fil des années, Trump est rentré à fond dans le business. Il a acheté à construire un pile gros bâtiment, t'as acheté hôtel de luxe, dans construit gratte-ciel, gros building, immeuble pour logement. Dans le sport, il était même arrivé à acheter un club, il investit dans le casino, il était investi tout dans la course cycliste qui était pour notre tour de Trump. Après la deuxième édition, il était venu camper. En 1999, Donald Trump créé une agence mannequin qui pourrait venir fermer en 2017. Trump investit dans le secteur transport aérien, il investit dans le domaine éducation et université de Trump. Dans la question commercialisation, nom de marque, Trump gagne en pile, tant que de Trump, Trump Vodka, Trump Matla. Pour ne citer ça seulement. Donald Trump investit dans pile secteur. Mais ça pour nous remarquer, non Trump presque c'est non entreprise dans toute salle investi. Pour nous rentrer dans quelques détails, tout petit dans l'investissement de Donald Trump, parce que nous pas qu'à bail détail de tout,
Si c'est pour ça, la vidéo a pas fini. Nous avons commencé à citer premier go affaire qui était fait dans l'année 1970. Il était acheté un parti dans le Commodore Hotel New York, hôtel après qui était venu rénover avec un grand frère. Laissez ça, un prêt de 70 millions de dollars qui était négocié avec Papal qui s'est fait jump avec groupe Yachts. Les hôtels ça vient réouvrir, ils viennent rouvrir sous un nom Grand Yachts Hotel. Dans ça qui gagne pour ouais à casino dans l'année 1980, Trump est rentré investi dans business ça dans New Jersey. Dans commencement qui pas de bail un bon résultat, mais ça pas traité là. Dans l'année 1988, il acheté un autre casino qui était continué. En plus des casinos qui se secteur Trump investi un peu là-dedans, ça pas traité là. Il continue investi dans un autre secteur encore qui c'est golf là. En 2015, le magazine Golf Week recensé États-Unis avec le reste monde là 18 terrains de golf possédés ou bien gérés par groupe Trump Organization. Dans même l'année ça tout, Trump te déclaré par commission électorale fédérale l'argent li rentre pour compte PAL dans activité ça évalué à 382 millions de dollars. Et il dit lui-même c'est un grand amateur golf, il a intérêt pour investir là-dedans, ses affaires PAL et c'est dans secteur le plus attaché. Faut rappeler autour depuis qu'il a investi, ou qu'il a un bénéfice, ou qu'il a une perte, ou qu'il a fait faillite tout. Eh bien, homme d'affaires, Trump pas épargné. De 1991 à 2009, 6 nan hôtel à casino Trump yo fait faillite. C'est quelques raisons ça qui fait en 2016, élection présidentielle t'est prêt, le magazine Economist t'est déclaré, l'ayo analysé carrière homme d'affaires qui c'est Donald Trump, yo jugé que résultat yo globalement médiocre par rapport à reste secteur immobilier yo ak marché boursier dans New York yo. Homme d'affaires c'est un monde qui gagne tant fait en pile fortune depuis avant même le devenir président. En 2016, Forbes estimé patrimoine personnel li évalué à 3.6 milliards de dollars. Ça c'est un gros chiffre remarquable. Dans ça qui gagne pour wè ak vie familiale par homme d'affaires. C'est comment ça y est. En attendant, dans l'année 1976, il était rencontré avec Ivana Zelnikova, qui est une athlète et mannequin tchécoslovaque. Et dans l'année 1977, Donald vient marié avec mannequin. Tout de suite, il vient collaboratrice li, et il vient associé dans le business. Il vient faire trois petites. Première, le Donald Trump Jr. qui fait le 31 décembre 1977, Ivanka Trump qui fait 30 octobre 1981. Et Eric Trump qui fête le 6 janvier 1984. Dans l'année 1992, Donald et Ivana viennent virer médaille là. Ils ont divorcé. Trois petits viennent travailler dans l'entreprise papa. Yo. Le 21 décembre 1993, ils viennent épouser une autre fille qui est une actrice présentatrice télévision Marla Maples. Avec elle, ils font une petite fille qui relève Tiffany Trump qui fête le 13 octobre 1993. Yo vin divorcé dans l'année 1999 et dans même année ça, Trump vin perdre papa qui c'est Fred Trump, c'est bien malheureux à 93 ans. Il était gantan gain en pile richesse, il était quitté fortune qui évalué à 300 millions de dollars. Homme d'affaires pour camper dans affaires relation. Page ça continue. Le 22 janvier 2005, il est marié avec Melania Canius, mannequin originaire de Slovénie. Et avec les gagnants petit garçon qui est le Baron Trump, qui fait le 20 mars 2006, jusqu'à date n'a pas enregistré vidéo. Sur image ça va regarder là, ça c'est Donald Melania dans entrée Maison Blanche dans l'occasion fête Noël dans l'année 2018 là. Sur l'autre image ça, au carré homme d'affaires dans Maison Blanche avec petite fille qui c'est Ivanka qui s'était reconciliée pendant le président. Et bien ça là nous mettons fin à la première partie vidéo sur Donald Trump là. Qui c'est ancien président et homme d'affaires américain, dans la deuxième partie, a préparé pour tant de carrière politique, li, pas trop longtemps, n'a pas venu avec. Et n'a pas oublié d'abonner pour ne pas rater et pour encourager le travail. La. Deuxième chapitre, là, c'est pour entrepreneur et politique. Nous, on n'a rien à vendre, donner même sans demande, amène bien plus d'ivresse que toutes leurs belles promesses. C'est un aller sans retour. Cette fois c'est le